Allo tout le monde, voici ChimpanMMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment bien commencer à Minecraft. La dernière vidéo, pas de la série, mais de la saison. Plutôt de l'été, finalement. Parce que la série c'était juste pour le mois de juillet et de août. Après ça, on va recommencer les séries quotidiennes, peut-être avec aussi quelques nouveautés dont je vais voir en temps et lieu. On va aller voir notre... notre usine dont j'ai amélioré hors caméra. Je ne ferai pas aujourd'hui ceci. Je ne le ferai pas. Très efficace. Ok. Il est anti... anti-petit zombie aussi. Je sens qu'ils ont changé de pantalon. Ou je remarque jamais. On a juste à faire ceci. On n'a même pas s'inquiéter parce qu'il est un petit zombie aussi. Parce que oui, les petits zombies peuvent passer de l'autre côté. Mais attention. Un peu. On va juste terminer avec ce batch là. Si elle finit un jour. Bon. Ah! Ok, ça, il faut que je prenne à une autre place. Voilà. Bon, vous voyez que c'est très efficace. Inquiétez-vous pas! Ah, il y a un petit zombie, ça donne bien. Ici, il y a un petit zombie juste là. Ils pourront pas passer. Parce que... c'est normal aussi, ça se spawn, hein, les zombies, des fois, autre que le périphérique, mais ça, c'est un détail. En général, c'est... il est un petit zombie, parce que, regardez! Justement! Il y a un petit zombie juste ici. Il ne peut pas. C'est ça qui est formidable. Il ne peut pas sortir de là. C'est pour ça que j'ai mis la terre. Et non la pierre. Parce que c'est plus facile. Ils ne peuvent pas sortir par là non plus. Du moins, c'est pas encore ici. Il y a un autre petit zombie là-bas. On va essayer de le faire en venir. Ici. Eh oui, un petit zombie. On va te passer de l'autre côté. On voit que ceci, cette méthode-là est très efficace. Les pires, c'est les petits zombies. C'est pas ce zombie-là, c'est les petits zombies. La viande, on s'en fout. Vous voyez, c'est très efficace comme technique. C'est ça qui fait à peu près l'usine à zombies. Puis ensuite, on regarde ici. Oh, une carotte. Une torche. C'est parfait. Ce qui termine pas mal ceci pour l'usine à mobs, j'ai vraiment modifié pour optimiser le tout. Je fais une ellipse parce que je faudrait que je réponde à quelqu'un. Ellipse? Bon, on est de retour, je fallait que je réponde à quelqu'un.
Je suis désolé. Mais c'est pas plus grave que ça. Bon, ça c'est fait. Ce qu'on voit, c'est que cette façon-là est très efficace. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau craft. Parce que c'est le but de voir des crafts. Les carottes, on va pouvoir en planter. Tout est prêt. Hein? Tiens. Tout est prêt. Et voilà. Bon. Comme ça, mais il va y avoir des carottes aussi. Je vais peut-être faire un autre champ pour des carottes. On va voir ça. Pour l'instant, c'est champ de blé. Oh! En plus, j'ai bien fait de récolter ces deux-là. Exactement un pain. Hey, j'ai toute la nourriture. Mais c'est ma seule nourriture que j'ai. Ok, j'ai ça. C'est vide. Du moins pour l'instant. Dire qu'on a le disque de musique dont on va faire un affaire à musique là. Jukebox, quelque chose de même que ça se dit. Voilà. Enchanté, y a pas un. Bon, c'est ça. Pourquoi je... Je sais pas pourquoi je fais ça quand il faut juste ceci. Et voilà. J'ai juste besoin de ceci. Nous allons faire une pelle. Oui, une pelle. Ouais, j'en ai eu un, mais pas si solide. Ah non, j'ai une en pierre. On va user. Puis on va. Je vais vous montrer une autre chose qui est possible à faire sur Minecraft. Vous savez que ici, il y a une affaire d'expérience là. Disons que enchanter des affaires ou même réparer des affaires. Des outils, tout ça, ça prend de l'expérience. Mais je vais vous montrer une technique à laquelle vous n'avez même pas besoin d'expérience pour faire ça. Une fois mise, on peut mettre sur n'importe quelle. On peut le laisser suspendre une fois qu'il est placé. Et pourquoi je fais ceci? Parce qu'on va commencer à faire tout de suite le plancher. Au lieu de tarder tout le temps, comme moi que je fais. Donc, j'aime ça prendre mon temps de ou rien faire, me promener. Ou faire des circuits restants. Ça, par contre, ça, j'aime ça. Mais sinon, faire qu'est-ce qu'il y a de la décoration, construire, tout ça ne tombe pas toujours. Je vais montrer le craft. Vais montrer comment faire. Finalement. Après, on va terminer. Finalement. J'ai pas regardé, c'est pour ça. Autrefois, il y avait, on entendait un bruit. Maintenant, on l'entend plus, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ok, il est pas assez usé, mais c'est pas grave. On va faire avec. On va le réparer, cette pelle. Je prends cette pelle. J'ai une ou... L'affaire, c'est que j'ai pas grand affaire en double. J'ai rien en double, vraiment. C'est ça l'affaire, j'ai rien en double. Là,
On va réparer cette pelle-là. Pour réparer cette pelle-là, vous prenez l'opel. Voilà, vous avez une pelle neuve. Bah, vous pouvez le rendre neuve en faisant ça. Si simple que ça. Au lieu de prendre un enclume, de mettre l'enclume, de mettre les deux outils, un, l'autre, et... Vous savez même pas faire ça. Là, vous l'avez déjà, l'enclume coûte de l'argent, mais là, vous avez même pas gossé pour payer. Oh, ça, j'ai tout perdu ma lourdeur en faisant Ok. En réaménageant ça en bas. Donc, je sais pas, je pense que j'ai perdu ma lourdeur. À moins que je sais que j'ai de la lourdeur là, mais moi je le prendrai pas tout de suite. Ouais, j'aurais des carottes. Ah, j'avais déjà des carottes. Ah, ben oui, c'est ça. J'ai pris une carotte où je l'ai mis en bas juste pour faire croire non, c'est vrai. Pour vrai, j'ai vraiment. Du coup. On va la replanter vu qu'on a pas mal de carottes. Je sais pas. Je savais pas qu'on en avait. Plutôt, je m'en souviens plus j'en avais autant. Bon, nous allons bûcher du bois, peut-être. C'est une hache. J'ai pas l'air d'avoir de hache. Puis on va faire pas mal on va être en fer. Moi j'ai pas d'armure en fer, faudrait que je me fasse une armure en fer. On sera pas mal en fer, hein. Pour l'instant je suis riche, mais faut pas trop que je me fasse. Je vais prendre des pousses de chêne parce que moi je veux avoir du chêne. Ça c'est parfait. Regarde qu'est-ce que je fais. On va pas vivre. Nous c'en est un. Pourquoi je me demande si ça va en popper un. Pour de vrai. À un moment donné, on va faire l'araignée aussi, mais pas tout de suite. Ça va être peut-être l'année prochaine. Ou peut-être durant les vacances de Noël dessus, ça peut. Je verrai ça. Je verrai ça quand ça va être quand. Bon, commençons. À faire de quoi? 56. Je sais pas si j'en ai assez, mais c'est pas grave. Bon, je pense que ce que je vais faire une ellipse et on se revient quand je vais terminer de mettre le plancher flottant. Oui, j'ai décidé de faire mettre du plancher flottant et non que ça soit du bout de chaîne. Qui est à peu près la même affaire, je pense. Peu importe. Espérons que le bug des chiens ont été réglés. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement parce que j'ai remis et réinstallé Minecraft. Parce que j'ai quelques petits problèmes techniques. Je suis pas capable d'installer en gros un logiciel, exemple Discord, exemple. Si je veux l'installer, impossible de l'installer. Un problème DLL, quelque chose au même.
Ça dit qu'ils ne sont pas capables d'aller voir au DLL. Ça aurait un problème que je vais régler par la suite, mais pas tout de suite. Bon, j'ai des os. Espérons que le bug... Le bug a été réparé. Viens t'en toi. Le bug a enfin été réparé. Je trouve qu'on voit... On peut... On est, c'est plus facile de trouver des chiens que des chats. Je trouve. Les chats, là. C'est beau aller de même dans la jungle. Dans le serveur de Stiller, ça c'est notre histoire. On n'en trouve pas... On trouve quasiment pas pantoute, puis l'autre se fait mal. On va aller chercher d'autres chiens. Oh, du premier coup! Il avait les yeux fâchés, on serait. Bon, au moins, j'ai des chiens. Qui me suivent. À la trace. On va voir s'il n'y en a pas un autre chien. Par hasard. Ah, j'ai pas de nourriture. Fuck. J'ai aucune nourriture. Avec moi. Ah, c'est parce que je mens quelquefois, c'est pour ça. Eh ouais, je mens quelquefois. On n'est pas en upcode, hein. Est-ce que je sache? Si je serais en upcode, ça serait une autre histoire. Bonjour, que le champ finisse de pousser. Hey, venez, chien. Venez me voir. Tiens, et tiens. Les chats, c'est très utile. Tellement utile que j'en veux un. Pour les creepers, avec, rompre pour rompre la malédiction des creepers. On se souvient? Bon, peut-être pas dans la dernière vidéo si je me trompe pas, mais parce que j'ai pas fait grand chose, mais sinon il y a toujours un creeper qui réussit à exploser. On se souvient? Les creepers. À chaque vidéo, un creeper qui explose. Mais c'est ça, la malédiction du creeper. Parce qu'il y en a toujours un qui explose ça par contre dans la dernière vidéo. Ou qu'il n'y en a pas eu un qui a explosé. C'est un miracle. Est-ce qu'aujourd'hui... Oh. Oh mon dieu. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Mais quand même, je l'ai même pas vu. Tellement bien caché. Je vais me chercher une pioche. Il est vraiment bien caché. J'aurais pas passé là, je pense que je l'aurais jamais trouvé. Puis en plus, il est à côté, hein. On a une pioche là. Je vais vraiment réaménager le champ. Peut-être dans la prochaine vidéo. Je vais mettre... Au cours d'aujourd'hui, on va voir comment faire un panneau. Tant qu'à ça, peut-être un cadre pour le fun. Ça, c'est juste pour le fun. De faire un cadre. Du tout? Jamais de refus de charbon, hein, quand même, même si c'est en grande quantité quand on en trouve. C'est jamais de refus. Toujours pratique, du charbon.
toujours pratique. Puis même, on va voir un autre craft. Là, c'est si je me souviens bien par cœur. Comment le faire? Mais on va le voir quand même. Que je me souvienne ou non, on va le voir quand même. Très simple, ça va. On a besoin. Bon, je vais prendre ça. Ça, j'en ai besoin. J'en veux. Je vais en prendre un. Seul. Avec ça, on fait du sucre. Et voilà. Une citrouille, un œuf et du sucre pour faire une tarte à la citrouille. Ça, c'est le nouveau, un nouveau que je voulais vous montrer. Donc, c'était pas ça que je me souviens. Mais c'est là que je m'inquiétais pour rien. On va faire un peu de plus de bâtons. Pour faire, c'est quoi les jeux que je dois faire? En gros, j'ai juste besoin de ça. Et voilà. Ceci est une pancarte. Puis on va tout de suite en l'utiliser pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo. Bien. Deux points. Bien. Commence. Peu importe, on s'en fout. Faire. Améliorer. Champ. Ça, c'est bon. Pour cette vidéo, comme que je disais, on fait le plancher. On va juste faire le plancher pour cette vidéo-là. On ne fera pas la maison. Dans la prochaine vidéo, on va faire la maison. Et tu pourras, on va la faire. Un jour ou l'autre. Faut bien commencer à quelque part. De toute façon, la prochaine vidéo est dans quelques mois. Si je décide de le faire pour une ou deux vidéos durant le temps des fêtes de Noël. Quelques mois. Ou pour l'année prochaine si c'est pour uniquement l'été. Si c'est pour pour l'année prochaine, l'été uniquement, ça va être assez long, je dirais. Avant de le recommencer, la série, c'est incroyable. C'est quand même que pratiquement un an. Le 1 an, est-ce que je vais le faire, je ne le sais pas. Peut-être, mais peut-être pas non plus. Puis toi, la vache, là, autour de ma maison. Quoi, j'ai passé le stack au complet? Mon dieu, on prend un peu plus de 2 stacks complets. Mon dieu, ça coûte cher. Ah, ça me coûte très cher en ce moment. Comme que vous pouvez voir. Je ne pensais pas que ça coûtait si cher que ça. De faire juste un plancher. Oui, j'ai bien dit de faire juste un plancher. Le plancher coûte beaucoup trop cher à mon goût. Si ça continue, le plancher.
Ça sera la seule chose qui va être faite. Et que rien d'autre sera fait. Mais il faut que je fasse la maison quand même si, peu importe le prix que ça me coûte. Au lieu d'en battre des nez. Comme que je fais. Je pense que comme que j'ai fait avec une série. Je pense. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est une série. Ou c'était. Je ne sais même plus du coup. Il a fait une grande maison. Je pense que je trouve grand. Donc, trop ça. Est-ce que j'ai assez de bois cette fois-ci pour le finir? Rendu là, oui. Il y aurait un méchant problème si j'aurais pas assez de bois. Méchant problème. Quand même! Méchant problème. Peut-être oui, mais j'ai quand même eu. J'ai appris. Était de justesse, là, quand même. On va finir la vidéo avec les zombies. Ah, peut-être faire de quoi aussi. Je pense à ça. J'avais pensé à ça, mais pourquoi pas le faire tout de suite? Tant qu'à être là. Parce qu'on a vu que ça spawnait aussi de nos côtés. Pour me protéger. Bon, ça. Oh, j'en ai eu 11, c'est parfait. Je peux arrêter de compter ce qu'il paye dans tout ça. C'est parfait. Ensuite, on prend. Je vais prendre la terre, du coup. J'ai pas de. De nourriture. À part de peut-être la tarte que je vais manger un instant. Très nourrissant. Au pire, je récolterai le blé hors vidéo. Dans le pire des cas. J'ai vraiment tout perdu là-dedans. Ah! Zombie, correct, mais squelette, par contre, moi, je veux plus toucher. Espérons que je meurs pas tout de suite. Je suis pas mort. Mais je sais qu'est-ce que je vais faire à l'instant. Allez, venez, tant qu'à ça. Allez, plus vite que ça. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je vais tout simplement boucher le trou. Les deux trous. Juste pour pas qu'il y ait de mobs. C'est juste pour pas qu'il y ait de mobs qui viennent m'achaler. Et voilà. Là. On est supposé d'être tranquille maintenant. Juste bien éclairé partout. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun mob qui spawn quelque part. Dont un creeper. Et oui, la malédiction du creeper continue. Fuck. J'ai pas de nourriture. Justement. Et ouais, malheureusement, la malédiction du creeper continue. Persiste. Juste à la dernière vidéo que j'ai pas eu à les affronter. Mais sinon, encore là, j'ai encore à les affronter. C'est Satan creeper de malheur qui explose à tout bout de champ. Il est suicidaire. Ok, moi je vais chercher mon.
Je vais laisser faire ça pour l'instant. Ouf, j'ai sur le coup, j'ai eu un peu peur de la poule. Je sais pas pourquoi. Au moins, on a fait ça. Je vais récolter mon champ tout de suite avant que. Tu me tues peut-être là, mais. T'en auras pas de manger, pas de graines. On nourrit pas les oiseaux. C'est ça qu'on dit tout le temps. De pas nourrir les oiseaux. Tout en fait partie de. J'ai rien dit, j'ai absolument rien dit. Hey, ça fait quasiment 3 stacks complets. Quasiment. Mais j'en ai quand même 49 pains. Un peu plus, j'aurais un stack complet de pain. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons vu comment faire une tarte à la citrouille. On a vu comment réparer des outils sans en avoir recours l'enclume. Je cherche le mot. On a vu comment faire des pancartes. Si, ce sera pour la prochaine vidéo. Qui va être dans possiblement 4 mois, voire pratiquement 1 an. La malédiction du creeper persiste encore et toujours. On tue le zombie. Son expérience est plus importante que ça parce que ça va dans le coffre. C'est pas un problème. Puis on finit avec ça. Alors pour ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si je me répète, mais ça c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google+, Twitter, car tout le monde est bienvenu. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment bien commencer à Minecraft, la série à laquelle on voit les bases de Minecraft. Donc, la prochaine vidéo sera possiblement soit pour les vacances de Noël, oh, je suis au niveau 20, ou pour l'été prochain, parce que c'est la série de l'été. Mais que je pourrais le mettre peut-être pour la série des vacances, tout simplement. On s'entend que Noël, c'est les vacances de Noël, et non les vacances d'été. Combien d'expériences supplémentaires? Je suis rendu au niveau 21. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des foules.